pommes de terre, durée de végétation, je me rappelle, à peu près. Selon quelles sont fréquentes qui arrivent en région. Ah, j'ai tout de suite mal au dos. J'aurais les outils. Quand je suis crispée comme ça, j'ai mal au dos. Vraisemblablement, on les aura fin juillet. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? On va recouvrir. Okay. Donc, par rapport à tout à l'heure, si on veut retenir l'eau, on va prendre la terre ici, puisqu'on a largement beaucoup de terre pour le faire. Moi, je vais celui-là parce que mon chelon, mais on peut prendre les autres. Celui-ci est bien aussi. Hein. Donc le principe, le principe, on recouvre tout simplement. Hein. Et si vous voulez retrouver vos pommes de terre, vous ne recouvrez que la pomme de terre. Comme ça, vous savez qu'elle est dessous. Vous savez qu'elle est dessous. Même chose si vous travaillez en poquet de petits pois ou poquet de haricots, vous ne recouvrez que votre poquet et vous savez exactement où il est. Ça vous permet de vérifier si ça germe bien, si ça sort bien ou pas. Ouais. En même temps, on nettoie, ok? Attention les oreilles. C'est bon? Il reste à marquer ma ligne que quand j'aurai enlevé les cordeaux, je ne me souviendrai plus ce que j'ai fait. On est d'accord? Donc là, on a toujours intérêt à avoir des petits bouts de bois, des bâtonnets, des choses comme ça. Ou des baguettes que l'on garde. Il y en a aussi là-haut, de manière à marquer notre bout de ligne. Je pense que c'est Elodie. Je suis pas sûr, mais je pense que. Ouais, okay. On se fait notre ligne de chou à repiquer. Technique suivante, le repiquage. Ok, ça vous va? Pomme de terre, on va la laisser un petit peu aérer. Donc, c'est bon. On déplace. Attends, on va récupérer le cordeau du haut. Et là, tu choisis combien, Pierre-Emmanuel? 42, ok. Donc tu as la même dimension que moi. Tu fais deux pas. Tu fais deux pas. Ok. Une ligne. Et on fait, un repiquage de choux. Peut-être un petit peu de râteau pour remonter, oui. Je vois en avoir un là-bas. Il y en a un sous le figuier là-bas. Alors pour les choux, on va tirer compte de la racine, on va la mettre le plus profond possible. Alors là, est-ce que c'est le bon outil? La non, parce racine, que la terre est voilà, de... donc il vaut mieux que tu prennes. Il vaut mieux que tu prennes quelque chose de fin, la binette, celle que Jean-Noël avait tout à l'heure. Bien ça. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme côté? Non, le côté de pissant. Pour creuser. Est-ce que tu es dans le bon sens?
Parce que tu peux démarrer là-bas aussi si tu veux. Ça dépend si t'es à ta main. Tu tires ta ligne le long du cordeau. Comme ça, ça va? Oui, c'est bon. Alors, même chose, comme le sol n'est pas très riche, nos choux, on va les enrichir. Comme la pomme de terre, on mettra un petit peu de compost, de terreau au fond. L'autre solution, si on avait du crottin de cheval, on mettrait entre chaque plant. Je mets deux plants de choux et je mets un petit peu de crottin entre les deux plants pour pas qu'ils soient en contact avec les racines. Donc, au fur et à mesure de la croissance du chou, il va se débrouiller pour aller chercher la nourriture. Okay. Là, tout simplement. À mon bras, c'est un peu court. Là, parce que c'est court. Mais, il a voulu que ce soit joli, mais. Donc, non, parce que là, si tu veux, non, mais c'est on sait que mon côté il est là. Oui, mais ça fait rien, il va le retrouver parce que ça fera une butte quand même. Ouais, ça fera une butte. Tu es très bien passé de ce côté, ok. Alors, la ligne droite est le plus court chemin d'un point à l'autre. Hein. C'est pas droit. On va revenir dessus. Continue. Je te reprends en profondeur et en régularité. Allez. Non, parce qu'on a dit qu'on mettait une note à la fin. Agnès, on a bien dit qu'on mettait une note. Ah oui, oui. Oh. Ouais. Sinon, c'est pour ça qu'il y a autant d'inspecteurs. Alors, petit détail, remonte tes mains plus haut sur ta pioche. Tu casses le dos, c'est long. Ouais. Et là, le manche est très court hein, dessus. Et ton manche est court, hein. Exact. Exact. Celui-là aussi, les manches sont courtes. Toujours privilégier les manches longues. On est toujours gagnant. Et le dos, quel que soit l'âge, il faut le ménager. Ok ? Donc là, entre la racine et les feuilles, il y a une tige qui ont démarré très vite à la lumière, alors que je les ai mis à 15 degrés réguliers. En décembre, c'était trop. Ouais. Je vais mettre, alors les amis, voilà. Pour marquer nos bouts de ligne, d'accord ? Un petit coupe-coupe, ça permet d'affiner. On le met, je sais pas, pomme de terre peut-être. Ouais. Ok. Voilà, je mets l'autre en face. Et alors, là, on vient de terminer une opération. Ça, c'est quoi comme arbre ? D'après-vous ? Non, noisetier. Ça ressemble à un noisetier, mais c'est pas un noisetier, je pense pas. Un saule ? Non. C'est soit noisetier, soit de l'ormeau. C'est noisetier ? Allez, on va dire que c'est noisetier. Je veux faire mes rames de petits pois. Noisetier, ah bah oui, c'est vrai. C'est pareil.
Et voilà. Ils sont où les petits pois? Ils sont là? Donc je vais croiser. Là aussi gros ça? Non, parce que là c'est variété même que nous avons. Là c'était l'opportunité. Non, mais je veux dire. Oui, mais ça n'a pas l'importance. Oui, ils vont se débrouiller après. Ah oui, on croise les deux. Hein, ah oui, ok. D'accord. Je les enfile comme ça. Si je veux éviter que les...